et Balthazar du Gide qui nous a fait déjà belle impression avec Pierre Vercruz. Vous voyez que les grands noms sont présents sur les pentes de Mokanchi. Et on se positionne à nouveau. Volt. Il va bien partir avec le 7, Twist Loisel. Twist Loisel qui essaie de prendre un bon placement dès le départ, avec le 5 Sultan du Fossé qui part extra également. Mais le numéro 7 qui était parti très vite commet une hésitation et se retrouve presque aux 25 mètres. Et pendant ce temps, c'est le numéro 4 à l'extérieur, c'est Secret Boy qui prend la direction de la course. En deuxième position, le numéro 9, Speed Lilium. Et puis calé long de la corde, on essaye de venir avec un cheval qui part vite également. Il s'agit du numéro 5 Sultan du Fossé. Alors que le numéro 6 est éliminé complètement hors course, d'ailleurs disqualifié numéro 6. On était au galop avec l'As Orion OM qui va être disqualifié certainement le numéro 1. Et pendant ce temps, le numéro 4 à l'extérieur est en tête, mais sa partenaire se retire un peu de la course. Que se passe-t-il pour ce numéro 4? Elle avait en fait occasionné le faux départ et j'ai l'impression qu'on a disqualifié ce numéro 4 parce qu'il y a eu une erreur. Bon, et ben voilà, 6 à C4, disqualifié en début de parcours. J'ai l'impression qu'on aurait dû peut-être partir derrière un autre et qu'on l'a disqualifié parce qu'elle n'est pas partie derrière un autre, cette demoiselle. Et bien c'est vraiment pas de chance, mais il faut dire que bon, il faut comprendre les règles françaises. Elle a peut-être pas compris les ordres non plus. C'est terrible pour ceux qui avaient joué le 4 Secret Boy puisque c'était l'énorme prise de cette première course. Et bien donc disqualifié donc le numéro 4 devant se retirer de l'épreuve. Et pendant ce temps, ben, un autre cheval se propulse en tête. C'est l'un des favoris de l'épreuve. C'est le 10 Univers Brabilé qui prend la course en main désormais. Un peloton qui se reforme un petit peu. On voit que le numéro 12, Barack Flevo, qui rend des 25 mètres, n'arrive pas à recoller totalement. Et dans le dos du numéro 7, Twist de Loisel, qui était parti le plus mal au premier échelon. Et on va venir passer devant les tribunes. N'oublions pas le numéro 3, Upsilesi, qui est bien placé depuis le départ, qui est en deuxième position, en compagnie du numéro 8, qui vient se positionner également, c'est Nalabi. Passage devant les tribunes, Anthony Barrier qui passe deuxième, derrière Xavier Bonnefou qui a la direction de l'épreuve pour l'instant avec le favori, le numéro 10. 10, 8 au commandement, le 11 passe troisième, il s'agit de Franck Nivard, notre belle brochette de jockey hein, au commandement pendant ce temps. Et nous sommes à 1100 mètres du but, toujours sur la conduite de l'univers Brévillé, numéro 10. En deuxième position, le 8, c'est Nalabi. Avec la troisième place pour le numéro 11, Aaron Boko, qui se rapproche de la Kazakh verte, qui est troisième. Une autre Kazakh verte ensuite, c'est le numéro 3 qui passe quatrième. On vient de franchir le dernier kilomètre. Le 7, ça se passe beaucoup mieux pour Twist de Loisel, qui était mal parti. C'était la Kazakh noire et rouge qui revient bien maintenant, comme pour disputer les premiers rangs. On va vers le dernier tournant. On est à 700 mètres du poteau avec le 10 Univers Brévillé qui repart de plus belle. En deuxième position, le numéro 11, Aaron Boko. Calé à l'accord, le 8, Nalani, qui n'est pas battu. À distance, le numéro 3 essaye de suivre Psylésie. Mais les autres ont beaucoup de mal maintenant à revenir sur les leaders. Alors que nous allons vers le dernier tournant, Speed Lilium, le numéro 9, tente sa chance avec le 7, Twist de Loisel. Le favori, tout va bien. Le numéro 10, Univers Brévillé. Aaron Boko, si vous avez joué Franck Rivard, vous pouvez y croire encore. Également, le numéro 11, en deuxième position, réveillé par Franck. Et à quelques longueurs, numéro 12, Barack Flevo, qui était loin durant le parcours, finit très très vite. Et encore peut-être sa chance, peut-être même pour la deuxième, voire pour la victoire. Entre à ligne droite. Et le 10, Univers Brévillé, mais une bombe se rapproche à l'extérieur. C'est le 12, Barack Flevo, lancé par Julien Rafestin, qui va essayer de rejoindre Xavier Bonnefou. Un apprenti est en tête, Xavier Bonnefou avec Univers Brévillé. Et à l'extérieur, on finit bien avec le 12, Barack Flevo. On finit bien avec le 11, Aaron Boko. Et on finit bien avec le 7, Twist de Loisel. On va parvenir sur le numéro 10 qui va gagner. Le numéro 10 va gagner Univers Brévillé, la deuxième place pour le 11 Aro Boko, la troisième place pour le 7 Twist de Loisel et la quatrième place pour le 12 Barack Flevo qui n'a pas pu poursuivre véritablement jusqu'au bout. 10, 11, 7 et 12, c'est l'arrivée provisoire, cette première épreuve sur l'hippodrome de Mokanchi et belle victoire du numéro 10 Laure Univers Brévillé qui s'impose tête et corde. Tout à fait. Allez messieurs, on vous retrouve tout à l'heure pour le précipient du goûter. On retrouvera la clé. Et puis Pierre-Joseph, votre prénom, je ne connais que lui. Et j'interdis que vous racontiez que vous...